La saison 4 s'est arrêtée en 2007, Kojuko Evolution n'ayant pas été une suite satisfaisante pour beaucoup, nous, un ensemble de fans issus de la saga Sphere, avons décidé avec l'appui d'Audiodidacte de proposer notre version de la suite. Bonjour à tous, je suis Evil Goat, le créateur de la fansérie en production, Frontières Virtuelles. Avant d'aller plus loin, je rappelle que Kojuko est de la propriété de Dargo. En soi, nous proposons une fanfiction sous forme de saga MP3, ne pouvant pas être considérée comme une suite officielle. C'est un projet fait par des fans, pour des fans. La saga MP3, aussi nommée fiction sonore ou podcast, est un domaine artistique basé sur le son. Imaginez un film auquel vous retirez l'image et adaptez le sound design de sorte à rendre l'ensemble compréhensible. À la fin, vous avez des ambiances, des sons, des voix dans un enchaînement logique. Et quand c'est bien fait, il n'y a pas besoin d'image ou de narration pour comprendre les différentes scènes. Avec Kojuko Frontières Virtuelles, vous pourrez découvrir une fiction sonore prévue pour septembre 2023, se passant 16 ans après la série originelle. C'est adulte que vous retrouverez vos héros d'enfance, coincés entre leur vie professionnelle et la nouvelle menace qui plane sur eux. Nous allons explorer des mystères laissés sans réponse, mais aussi proposer de nouvelles choses. Et l'avantage, c'est que Frontières Virtuelles aura une plus grande liberté narrative. L'histoire sera adaptée à ses personnages, plus adultes, plus dramatiques et plus matures. Nous voulons raconter une histoire cohérente, où les actions auront actuellement des conséquences. Et ça oblige à retirer certaines contraintes. Frontières Virtuelles s'adresse plus aux anciens fans, maintenant adultes, qu'aux enfants, et cela devrait pouvoir se ressentir d'une façon ou d'une autre. Nous sommes toute une équipe bénévole d'une quarantaine de passionnés. Des scénaristes à comédiens, passant par un compositeur et des illustrateurs, de toutes nouvelles musiques seront proposées, vous en entendez actuellement en fond. Il y aura un gros travail de réinterprétation côté sonore, mais aussi côté illustration. Nous voulons faire du nouveau avec du neuf et de l'ancien. Je ne souhaite pas trop en dire pour ne pas vous gâcher la surprise lors des 20 ans de Kojuko. Mais à l'heure où cette vidéo est postée, le script de 120 pages est rédigé. Les comédiens sont recrutés, la date des enregistrements a déjà été fixée à juillet 2022. Le projet avance, et même, il est en avance par rapport à nos prédictions initiales. Cette chaîne accueillera bien entendu les épisodes de Frontières Virtuelles, dont le spécial de 2 heures prévu pour 2023, pour les 20 ans. Puis, la saison 1, qui se situera entre 2024 et 2025, si tout se passe bien côté production. Nous tiendrons une sorte de journal de bord vous informant de nos avancées. Vous aurez du contenu exclusif et pas mal de news ces prochains mois. Pour soutenir le projet, vous avez juste à vous abonner et à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi nous suivre sur les différents réseaux sociaux, dont un serveur Discord, qui vous permettra de parler de Kojuko dans son ensemble. Vous trouverez aussi tous les liens en description de toute façon. Sur ce, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Si vous ne voulez rien manquer, je vous recommande d'activer la cloche. Et si vous êtes intrigué, n'hésitez surtout pas à poster vos attentes en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.